Bonjour. Donc, hier, dans la première vidéo, nous avons parlé de la notion de fonction. Nous avons parlé aussi de domaine de définition d'une fonction. On a dit qu'est-ce qu'une fonction? C'est tout simplement une relation d'un ensemble de départ vers un ensemble d'arrivée, tel que chaque élément de l'ensemble de départ admet au plus une image dans l'ensemble d'arrivée. On a dit aussi la notion de domaine de définition, c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments de l'ensemble de départ qui admet des images dans l'ensemble d'arrivée. On a noté le domaine définition DF ou tout simplement D. Aujourd'hui, dans la deuxième vidéo, nous allons parler de représentation graphique d'une fonction. Avant de donner la définition, nous allons prendre une activité. On considère la fonction f définie par f de x est égal à 2x plus 1. Vous êtes habitué avec ce genre de fonction. C'est une fonction affine. Sa courbe, c'est une droite d'équation y égale à 2x plus 1. Donc la courbe de la fonction affine, c'est une droite d'équation y égale à 2x plus 1. Ici, vous avez un nombre de points. Nous allons voir ceux qui appartiennent à D et ceux qui n'appartiennent pas à D. Par exemple, si on prend le point A de coordonnées 1, 3, tout le monde voit que l'image de 1, c'est 3. Donc on dit que le point 1 de coordonnées 1, 3 appartient à D. On dit aussi que, pour la nouvelle définition, on dit aussi que A de coordonnées 1 est un élément de CF, la courbe de F. Le point B de coordonnées 0, 1, c'est aussi un élément de D. On dit aussi que le point B de coordonnées 0, 1 est un élément de CF. N'oubliez pas, la fonction c'est f de x est égal à 2x plus 1. Et enfin, le point C de coordonnées moins 2, 5, il n'appartient pas à D parce que l'image de moins 2, c'est moins 3, n'est pas égal à 5. Donc on dit que C n'appartient pas à D. On dit aussi que C n'appartient pas à CF. Donc d'après cette activité, quelle est la courbe représentative d'une fonction? C'est tout simplement un ensemble de points de la forme x avec f de x. X, il varie dans df. Donc ça, c'est pour l'activité. Maintenant, on va prendre la définition de la courbe représentative. Définition. Donc, soit f, une fonction définie, évidemment une fonction numérique, hein, définie sur df. C'est quoi la courbe représentative de f? C'est tout simplement un ensemble de points. L'ensemble des points m de coordonnées x, y, tels que y égale à f de x et x appartient à df. Cet ensemble de points est appelé courbe représentative de f. L'ensemble des points est appelé courbe représentative de f ou courbe de f ou courbe de f. On la note. C ou CF. C, ça fait allusion à courbe, CF, courbe de F. Donc c'est quoi une courbe d'une fonction? C'est un ensemble de points de la forme x, f de x, avec x appartient à df. Toutes les formes géométriques qu'on a fait ont des équations. On dit aussi que y égale. On dit que l'équation y égale à f de x et l'équation de CF. Je répète. Donc, chaque fonction a une courbe. Quelle est la courbe d'une fonction? C'est un ensemble de points de la forme x, y. Quelle est la relation qui existe entre x et y? C'est que y égale à f de x. Et n'oubliez pas que x, il doit parcourir df. Donc, c'est l'ensemble des points de la forme x, f de x appartient à x, df. L'équation d'une courbe, c'est y égale f de x, à condition évidemment que x appartienne à df. Là, on va prendre des exemples sur la notion de courbe de fonction. Le premier exemple, nous allons prendre f de x est égal à la valeur absolue de x. C'est un exemple simple. Tout le monde sait la définition de la valeur absolue de x. Qu'appelle-t-on valeur absolue de x? C'est
c'est l'expression qui est égale à x si x est positive. Tout le monde sait que f de x est égale à la valeur absolue de x est égale à x si x est positif. Et la valeur absolue de x est égale à moins x si x est négatif. Donc une autre façon d'écrire f, quelle est la nouvelle expression de f? On a f de x est égal à x si x est supérieur à 0. Et f de x est égal à moins x si x est inférieur ou égal à 0. Donc vous avez deux expressions. La première, c'est f de x égale à x. Vous devez la représenter si x est positif. Tout le monde voit que f de x égale à x, il est de la forme ax plus b. C'est-à-dire c'est une équation en fait linéaire. Donc on doit la représenter si x est positif. Et f de x égale à moins x, c'est x est négatif. Donc si on veut représenter cette fonction, donc il suffit de connaître deux points, il suffit de donner à x deux valeurs de 0 plus l'infini et deux valeurs de l'intervalle moins l'infini 0. Par exemple, si x est positif, x, par exemple si on prend x égale à 0, alors f de 0 c'est combien? C'est 0. Si on prend x égale à 1, alors f de 1 c'est combien? C'est 1. Donc on a deux points, par deux points il passe une droite et une seule. Si x est négatif, on va prendre le point commun qui est l'origine. Si x égale à 0, on aura f de 0 égale à 0. Et si x égale à a moins 1, on a f de moins 1, c'est moins 1. Donc sur l'intervalle 0 plus infini, nous allons tracer cette courbe en utilisant les deux points, le point de coordonnée 0, 0, et le point de coordonnée 1, 1. Dans l'intervalle moins l'infini 0, nous allons tracer la courbe en utilisant les deux points, le point or et les communs aux deux parties, et le point de coordonnée moins 1, f de moins 1. Je répète, donc la première fonction, on a dit que la fonction c'est f de x est égale à valeur absolue de x. Quelle est la définition de valeur absolue de x? On a c'est f de x égale à x si x est positif, f de x égale à moins x si x est négatif. Donc pour x positif, nous allons prendre deux valeurs. La première, x égale à 0, on a f de 0 égale à 0. Donc le point de coordonnée 0, 0, en fait c'est l'origine. C'est un élément de CF. Et le deuxième point, si x est égal à 1, alors f de 1 c'est 1. Le deuxième point avec lequel on doit tracer, c'est f de 1 égale à 1. C'est un élément de CF aussi. Si x est négatif, on a x égale à 0, donc f de 0 c'est 0. Donc le point c'est l'origine, c'est un élément de CF. Et si x est égal à moins 1, on a f de moins 1 égale à 1, et non moins 1, pardon. Donc le deuxième point c'est b. De coordonnées moins 1 et 1, c'est un élément de CF. Donc sur l'intervalle 0 plus l'infini, nous allons tracer la courbe en utilisant les deux points O et A. Et dans l'intervalle moins l'infini 0, nous allons tracer la courbe en utilisant les deux points O et B. Donc nous allons essayer de tracer cette courbe. Dans un premier temps, dans l'intervalle 0 plus l'infini, et dans un second temps, dans l'intervalle moins l'infini et 0. Évidemment, pour tracer une courbe, le plan doit être muni d'un repère OIJ. Donc nous allons tracer le repère. L'unité, par exemple, on va prendre l'unité, c'est 1. Tout le monde remarque que cette fonction est positive. Donc la courbe représentative de f sera au-dessus de l'axe des abscisses. On n'a pas besoin de le côté négatif de l'axe des ordonnées. Le premier point, on a dit que l'image de 0, c'est 0. Donc la droite, elle va passer par l'origine. L'image de 1, c'était 1. Donc la droite, elle va passer par le point de coordonnées
1, 1. Ça, c'est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Tout le monde sait que par deux points, elle passe une droite et une seule. Donc, nous allons joindre les deux points. Le premier, c'est l'origine. Le deuxième, c'est le point de coordonnées 1, 1. N'oubliez pas que c'est la courbe de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, en fait, cette droite, elle a une équation de la forme y égale à x. Le deuxième morceau de la courbe, c'est sur l'intervalle moins l'infini 0. On a dit que l'image de 0, c'est 0, donc c'est l'origine. Et l'image de moins 1, c'est 1. Donc, par deux points, elle passe une droite et une seule. Donc, la courbe représentative de f dans l'intervalle moins l'infini 0 et la droite d'équation y égale à moins x. Vous allez remarquer d'après la courbe, que, d'après le graphe, que la courbe elle est symétrique par rapport à l'axe des deux ordonnées. On aura le temps dans la vidéo prochaine de parler de notions de courbes dont la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ça, c'est pour le premier exemple. Le deuxième exemple, nous allons prendre petit a petit b. F de x, par exemple, égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de x moins 1. Vous allez essayer de représenter graphiquement cette fonction. F, c'est la somme de deux valeurs absolues. Tout le monde sait que la définition de valeur absolue, c'est valeur absolue de grand X, c'est soit grand X, soit moins grand X. Quand est-ce que la valeur absolue de grand X est égale à X, si X est positif, et elle est égale à moins X, si grand X est négatif. Donc pour tracer la courbe CF de F, nous devons nous débarrasser de la valeur absolue de X et de la valeur absolue de X moins 1. Donc la valeur absolue de X, ça change en 0. La valeur absolue de X moins 1, ça change en 1. Donc quels sont les intervalles que nous allons considérer? De moins l'infini jusqu'à... Donc vous avez R. On va décomposer R sous forme d'intervalle moins l'infini jusqu'à 0, de 0 jusqu'à 1 et de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc nous allons tracer la courbe CF de F. La meilleure façon de le faire, c'est de se débarrasser de la notion de valeur absolue. Ou la meilleure façon de le faire, c'est en fait un tableau de signes dans lequel on va écrire la valeur absolue de X. On a dit que la valeur absolue de X, c'est soit X, soit moins X. Et la valeur absolue de X moins 1, c'est soit X moins 1, soit l'opposé, c'est-à-dire moins X plus 1. Et enfin, l'expression de F de X, c'est la somme de valeur absolue de X avec X moins 1. La valeur absolue de X, elle change en 0. L'autre, ça change en 1. Donc la plus petite valeur, c'est 0. On va commencer par 0. Et l'autre, ça change en 1. Donc 0, c'est celui de la valeur absolue de X. Le 1, c'est celui de la valeur absolue de X moins 1. C'est le 0 de valeur absolue de X moins 1. Là, ce sont des barrières. Quelle est l'expression de valeur absolue de X? On a dit si X est positif, c'est X. Et si X est négatif, c'est moins X. Là, c'est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini qui était R. La valeur absolue de X moins 1, c'est X moins 1, c'est X supérieur à 1. Moins X plus 1, c'est X est inférieur à 1. Et moins X moins 1, plus 1, c'est X est inférieur à 0, qui est inférieur à 1. Donc, quelle est l'expression de F de X de l'intervalle moins l'infini 0? Là, ça donne moins 2x plus 1. Là, ça donne 1. Là, ça donne 2x moins 1. Donc, sur l'intervalle moins l'infini 0, nous allons tracer la courbe de la fonction f de x est égal à moins 2x plus 1. C'est une fonction affine. Dans l'intervalle 0, 1, nous allons tracer la courbe de la fonction f de x est égal à 1. C'est une fonction constante. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, nous allons tracer la courbe de la fonction f de x est égal à 2x moins 1. C'est une fonction affine. Et la courbe de f sera l'union des trois morceaux de la courbe. Donc si x est inférieur à 0, deux points de la courbe, nous allons prendre le 0 qui est commun avec un autre point qui est inférieur à 0. Par exemple, si x est égal à 0, on a f de 0, c'est combien? C'est 1. Vous allez remarquer que si on remplace x par 0, soit à gauche ou à droite, on obtiendra le même nombre, 1, 1.
Une autre valeur qui sera inférieure à 0, par exemple, x est égal à moins 1. À quoi est égal f de moins 1? C'est moins 2 fois moins 1, c'est 2, plus 1, c'est 3. Donc le premier point qui appartient à la courbe, c'est le point de coordonnées 0, 1, c'est un élément de la courbe. Et le deuxième point, c'est le point de coordonnées moins 1 et 3, c'est aussi un élément de la courbe. Si x appartient à l'intervalle 0, 1, nous allons prendre la première valeur, c'est 0. Si on prend x égale à 0, on obtient f de 0 égale à 1, c'était le point A. A de coordonnées 0, 1 est un élément de CF. Nous allons prendre le dernier point de l'intervalle. Par exemple, si x égale à 1, on a f de 1 égale à 1. On a dit que c'est une fonction constante. Toutes les valeurs de l'intervalle 0, 1 ont même image 1 par la fonction f. Et enfin, si x appartient à l'intervalle 1 plus infini, nous allons tracer cette courbe à partir de deux points. On a dit que la courbe de f dans chaque intervalle, c'est une droite. Donc pour tracer une droite, il suffit de connaître deux points de la droite. On va prendre le premier, c'est x égale à 1. Alors, à quoi est égal f de x? C'est évidemment 1. C'est le point, il est commun avec la courbe. J'ai oublié d'écrire ici le point C de coordonnées 1, 1, c'est un élément de CF. Si x égale à 1, f de 1 et 1, c'était le point C. On a C de coordonnées 1, 1 appartient à CF. Le dernier point pour tracer la courbe, c'est x égale à 2 par exemple. Alors f de 2, à quoi est égal? C'est 2 fois 2, c'est 4, moins 1, c'est 3. Donc le point E de coordonnées 2, 3 est un élément de CF. Donc, sur l'intervalle moins l'infini 0, nous allons tracer la droite ou la demi-droite d'équation y égale à moins 2x plus 1 avec les deux points A et B. Sur l'intervalle 0, 1, nous allons tracer la fonction constante y égale à 1 avec les deux points A et C. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini, nous allons tracer la courbe CF de F qui est y égale à 2x moins 1 avec les deux points C et E. Donc, nous allons essayer maintenant de tracer la courbe. On a dit que c'est une union de trois une demi-droite, un segment et une demi-droite. Donc, nous allons tracer, on a dit, la demi-droite y égale à moins 2x plus 1 avec les deux points qui sont l'image de 0, c'est 1. L'image x est égal à 0, y égale à 1. Donc, vous avez un premier un point, c'est le point A. Le deuxième, c'est x égale à moins 1, f de moins 1 égale à 3. F de moins 1 est égal à 3. Ça, c'est sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0. On a dit que par deux points, il passe une droite et une seule. Ça, c'est sur l'intervalle moins l'infini 0. Sur l'intervalle 0, 1, nous allons tracer le segment, la droite d'équation y égale à 1, mais sur l'intervalle 0, 1, donc on aura un segment. L'image de 0, c'est 0. L'image de 1, c'est 1. L'expression de f de x sur cet intervalle, c'est f de x égale à 1. Tous les éléments de l'intervalle 0, 1 ont même image 1. C'est l'image de 0, c'est 0, l'image de 1,5, c'est 0, l'image de 1, c'est 0. Le dernier point, c'est le point de coordonnées 1, 1. La troisième demi-droite, c'est y égale à 2x plus 1 sur l'intervalle 1 plus l'infini. On a dit qu'on va la tracer par deux points, c de coordonnées 1, 1. Et le deuxième, de coordonnées 2, 3. L'image de 2, c'est 3. Donc, par deux points aussi, il passe une droite et une seule. Donc, quelle est la courbe CF de F? C'est l'union de ces trois schémas ou la courbe. Voici ici, c'est la demi-droite d'équation Y égale moins 2x plus 1. Là, c'est Y égale à 1.
Et là, c'est la droite d'équation y égale à 2x moins 1. Donc, je répète, qu'est-ce qu'une courbe? C'est un ensemble de points de la forme x, f de x. On donne à x des valeurs quelconques et on détermine leur image pour la fonction. On lit, jusqu'à présent, vous allez remarquer que les deux courbes qu'on a faites, c'était en fait des exemples de fonctions que vous avez déjà pris, des fonctions affines ou linéaires, où leur représentation graphique, ce sont des droites ou un assemblage de demi-droites. Et dans, je répète qu'on a pris la notion de représentation graphique d'une fonction. Qu'est-ce qu'une représentation graphique? C'est un ensemble de points de la forme x, f de x. CF, c'est l'ensemble des points de la forme x, f de x, avec x appartient à df. On a dit que une courbe, elle a une équation, laquelle, c'est tout simplement y égale à f de x. Qu'est-ce qu'on a pris jusqu'à présent? On a pris la notion de fonction, on a pris la notion de domaine définition, on a pris la courbe d'une fonction. Maintenant, nous allons parler d'autre chose. On va voir quand est-ce que deux fonctions sont égales. C'est le but du paragraphe suivant. On va parler de l'égalité de deux fonctions. Donc, on va parler de égalité de deux fonctions. Égalité de deux fonctions numériques. De deux fonctions numériques. Donc, d'après le paragraphe, on doit considérer deux fonctions. On va voir quelle est la condition pour qu'elles soient égales. Avant de donner la définition, nous allons prendre une activité. Par exemple, si on considère la fonction soit f et g, les fonctions numériques définies par la première, par exemple, f de x égale à valeur sur du x, on vient d'avoir. La deuxième, c'est g de x égale à racine de x carré. La première question, déterminer df et dg. La deuxième question, vous allez comparer petit a, nous allons prendre ici petit a, petit b, afin qu'il n'y ait pas de confusion avec le numérotage du paragraphe. Déterminer df et dg. Comparer f de x et g de x pour tout x de df inter dg. Donc là, on a dit que la première fonction, c'est f de x égale à valeur absolue de x. La deuxième, c'est f de x égale à racine de x carré. Quel est le domaine de définition de la fonction f? C'est simple, on n'a ni racine ni fraction, donc le domaine de définition de la fonction c'est R. Donc la première, tout le monde voit que le domaine de définition de la fonction f c'est R. Pour la fonction g, pour que g soit défini, il faut que x carré soit positif. Or, tout le monde sait que x carré c'est un nombre positif, c'est une relation qui est satisfaite, donc le domaine de définition de g c'est aussi R. Pourquoi? Parce que pour tout x de g, pour tout x de r, on a x carré est positif. Donc les deux fonctions f et g ont même domaine de définition qui est r. Pour la deuxième question, on nous a demandé de comparer f de x et g de x. Tout le monde sait que la racine carrée de x carré, si on commence par g, on a à côté égal g de x. G de x, c'est la racine de x carré. Et tout le monde sait que la racine de x carré, c'est la valeur sur de x. Et la valeur sur de x, c'est f. Donc l'image de x par g, c'est la même image par f. Donc on a f de x, c'est égal à g de x. C'est-à-dire x a la même image par f et g. On dit que ces deux fonctions, f et g, sont égales. Remarquez que les deux fonctions ont même domaine de définition. Et l'image de x par g est égale à l'image de x par f. On dit que f et g sont égales. Donc on va prendre la définition de fonction égale.
Donc, d'après l'exemple, à votre avis, quand est-ce que deux fonctions numériques sont égales? La réponse, vous l'avez dans l'exemple, dans l'activité. Donc, f et g sont égales quand est-ce que petite définition. Quand soit f et g, soit f et g, deux fonctions numériques on dit que f et g sont égales si il faut qu'on ait deux conditions. La première, c'est quoi? Il faut qu'ils aient même domaine de définition. Il faut que df est égal à dg. La deuxième condition, pour tout x de df, on a f de x égale à g de x pour tout x de df. Et n'oubliez pas que df est égal à dg. Donc nous allons nous arrêter ici. Donc, nous allons prendre les exemples là-dessus, c'est-à-dire concernant les égalités de fonctions, la prochaine vidéo, inshallah.